Allez, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Euh, bah écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la ville moderne, ça fait un petit moment. Alors je vous explique comment je vais fonctionner maintenant. Vu que la 1.13 est sorti, bon, on est tous fans, on est tous à fond dessus. Euh, également, pas mal de youtubeurs vont reprendre euh, la survie. Euh, je désigne personne, bien évidemment. Et donc, euh, bah, j'ai envie de faire Paris, j'ai envie de m'y remettre un peu parce que la survie, c'est quand même cool. Le créatif, au bout d'un moment, c'est un peu pénible, hein, faut le dire. Donc, ce que je vais faire maintenant, ce sera généralement une semaine sur deux, donc un coup la survie et un coup la ville moderne. Euh, le temps, on va dire que je me fasse. Euh, J'aimerais bien aussi être accepté sur. Euh, sur YouTube, euh, je vous en avais parlé, hein, c'est un logiciel, enfin c'est une, une plateforme qui permet aux abonnés d'aller regarder des pubs et ça rémunère le youtubeur. Euh, donc ça fait que vous n'avez rien à sortir de, la, de votre poche si ce n'est quelques secondes pour regarder une pub. Donc voilà, j'attends vraiment d'être accepté là-dessus pour pouvoir m'investir un peu plus sur YouTube parce que là, bon, euh, c'est de pire en pire. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me consacrer plus à mon boulot et ma création d'entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de créer mon entreprise donc c'est beaucoup de boulot plutôt qu'à YouTube. Bref, la semaine dernière, je vous ai dit, euh, proposez-moi votre idée en échange, euh, vu qu'il n'y aura pas de vidéo parce que je travaillais, et vous avez été des milliards à me dire, fais un camping, donc on va faire un camping, on va faire un camping, c'est parti. Euh, alors, je vais faire un camping, mais pas qu'avec des tentes, j'ai envie de faire aussi un truc avec des mobilhomes, vous savez les... Les petites maisons, mais bien souvent maintenant c'est mi-camping et mi-mobil home, donc on va faire un peu les deux. On va essayer de faire un gros truc. Alors, bien évidemment, il y aura plusieurs parties, hein, vous vous doutez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à faire les mobile home et la prochaine fois, je pense qu'on s'attaquera à la partie camping et la dernière partie, un peu tout ce qui est aménagement. Donc, je voulais faire ça ici, mais je viens de voir avec un petit truc, un petit problème c'est qu'il y a la voie ferrée juste ici. On va quand même pas poser un camping à côté d'une voie de chemin de fer, ce serait quand même pas être très intelligent. Donc je pense qu'on va le faire par là. On va en plus il y a la plage qui est pas très loin. Euh, pff, alors c'est vrai qu'un camping et des maisons de vacances juste devant ça fait bizarre. Je pense les amis que je vais euh, ici faire euh, un aménagement, donc c'est-à-dire que je vais essayer de coller des arbres, euh, prolonger cette route, et je pense qu'on va le faire par ici, sur le côté. Histoire aussi qu'il soit au bord d'un grand axe routier. Voilà. Donc, les amis, je vais aller faire ça tout de suite. Alors, bon, très simple. Les arbres, je ne sais pas ce que je vais prendre en modèle. Mais ça va sûrement être les bouleaux qu'on a ici ou des sapins. Copier-coller partout. Prolonger la route. Et on attaque les mobilhomes ensemble. Allez, à tout de suite. Ok, re-tout le monde. Bon, allez. J'ai bien avancé. On va partir sur la construction d'un mobilhome. Alors, avant, je sais, il y a l'accueil. Il y a le parking à faire. Euh, ça, je le consacrerai à un prochain épisode. Euh, là, aujourd'hui, je voulais surtout à chercher un pattern de mobile donc je vous expliquer ce que j'ai fait donc ici euh, bah, il y aura l'entrée du camping tout simplement euh, j'ai voulu coller ça près de l'office du tourisme ça paraît logique quand des touristes viennent dans un camping le faut que l'office du tourisme soit proche donc c'est pas complètement illogique donc finalement je l'ai laissé là ici j'ai prolongé un peu le mur du poste de police je vais d'ailleurs mettre un petit peu d'herbe juste ici sans ces maudites fleurs que je déteste il y en a il y en a trop dans Minecraft, il y en a beaucoup de trop des fleurs. Voilà donc petit mur que j'ai échangé en faisant des alternations comme ça avec les escaliers, ça change des barreaux. Euh, petite haie de sapin qui renfermera le camping, c'est vraiment pour faire une séparation parce que j'ai pas envie de faire des murs tout le tour, ça fera trop prison. Donc j'ai mis des sapins avec des petits buissons ici. Franchement, je vous le dis, je mettrai pas de mur pour séparer ça, hein. je mettrai juste des sapins. Ici, on aura le parking du camping toute cette zone là, ensuite on aura l'accueil par ici et ensuite le camping sera lui par là, voilà. Donc je prolongerai encore la route, tout ça, enfin euh, ici ce sera réorganisé bien évidemment vous vous en doutez. Donc on va tout simplement se faire un mobile -home ici en plein milieu, enfin je vais plutôt le mettre sur le côté euh, pour voir un peu ce qu'on peut faire, euh, oui ici j'ai mis quelques lampadaires, on va peut-être vite fait rajouter un petit peu de végétation au pied des lampadaires alors, ça c'est dingue, vous voyez, je viens de cliquer je sais pas combien de fois, je n'ai pas une seule fleur. Et par moment, vous posez un peu de poudre d'os, vous avez une dizaine de fleurs. voilà. Donc, voilà, je disais des lampadaires plus jolis parce que c'est ceux du camping. Euh, L'entrée ici avec le portail, je sais, ça fait gros un portail en laine, mais bon, c'est pas grave, de loin je trouve que ça passe pas mal. Donc, on va le laisser là comme ça pour l'instant. Et on va attaquer les mobilhomes modernes. Alors, on va faire un truc moderne. N'oubliez pas que c'est un mobilhome. C'est pas une maison. Hein. Donc, me dites pas c'est petit, machin. Euh, voilà. On va faire de notre mieux, mais c'est un mobilhome. Donc, je le vois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de large. Je le vois de 1, 2, 3, 4, 5 de haut. Comme ceci. Je le vois les bords en neige. Euh, Est-ce que ça fait pas trop grand Non, ça va, ça va. Et je le vois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de long Ça fait un peu petit. 11, 12, 13. Impeccable. Allez, on va essayer comme ça, les amis. Pour l'instant, c'est un test. Euh, de toute façon, je sais pas pourquoi je m'embête. Alors, l'idée de la neige, je sais plus combien c'est. Ça doit être 80. Tout juste tac voilà alors ce que j'ai vu euh, c'est que j'ai fait une bêtise ce que j'ai vu sur internet donc c'est du la totale impro sur minecraft mais j'ai vu un petit un modèle sur internet qui était sympa c'est celui que je suis en train de vous faire euh, il avait des murs alors ça ça me va pas trop en revanche en mur euh, est ce qu'on n'a pas des choses plus sympathiques il y avait des espèces de, de murs avec des rayures dessus. Un peu comme ce bloc. Euh, ou celui-ci. Je vais en prendre plein. Peut-être qu'ils sont très moches, mais on va les essayer. Et puis on verra par la suite ce qui convient le mieux. Hop. Allez, je monte. Je mets tous les blocs qu'on a testés, enfin qu que j'ai trouvé, Et on va voir ce qui convient le mieux. Alors. Ça déjà, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. J'hésite entre ces trois-là. Euh, ça, ça va faire beaucoup trop foncé. Par contre, les deux me plaisent bien parce que lui, ça fait ressortir. Mais ça fait trop bois. Alors que lui, on dirait bien une espèce de, vous savez, de petite tôle légère. Donc, je pense que voilà, on va garder celui-là, les amis. Ça ira très très bien. On va monter ça comme ça. Donc, je vous fais l'exemple de. D'accord, c'est du du du. C'est du béton, d'accord, en fait. Euh, ouais. Par contre, je vais t'embêter pour la porte. <laughs> Ça, j'y avais pas pensé. Attendez, attendez. Euh, pff, pourquoi je tape béton alors que c'est de la porte que je veux Si on met une porte là, est-ce que ça tient dessus Normalement, oui. Parfait. C'est parfait. Bon, ben, bah, on sera pas embêté. Ça, c'est cool. Alors, effectivement, ça fait quand même un gros truc. Je me rends pas compte. Je pense que vu du ciel, euh, on va pas en faire tenir des grosses quantités. Le camping va être gros, hein, ça je, je vous le dis. La route, tout ça, je pense que la route va tourner ici et la plage va suivre le cours. Vous voyez, on va faire un arrondi en fait. Euh, donc là, ça c'est tout plein de projets. Je suis assez fier de cet endroit, j'aime beaucoup, c'est assez joli. Euh, donc on va essayer de ne pas dégrader tout ça. Bon écoutez, les mobilhomes, je pense qu'on est bien. Euh, on va pas faire plus gros, on va pas faire plus petit. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est baisser le toit de 1. Ah, oh, quoique. Et ça, c'est du sable aussi. Parce que si on baisse de 1, ça risque de faire vraiment petit pour le coup. Non, moi je pense que c'est bon, les amis. Je pense que c'est bon. Euh, si on remet les autres ici, vous voyez que ça fait vraiment. Après, ça va faire petit pour du Minecraft. Donc voilà. N'oubliez pas que c'est un mais En vrai. Euh, les murs font pas cette épaisseur-là parce que là c'est des murs de bunker, c'est plus des murs de, de mobile home. Mais on est sur Minecraft et le seul bloc que j'ai de moins épais c'est les trappes. Mais j'ai pas envie de m'embêter à mettre des trappes, en plus c'est pas forcément très très joli. Voilà donc le design du mobile home. Euh, ensuite ce que je ferai bien c'est une petite terrasse, vraiment très petite parce que vous vous doutez bien que ça prend de la place en plus. Euh, par contre j'ai envie de faire une alternance. Hein, 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 hein. Voilà, je sais pas pourquoi il fallait que j'aie quelque chose comme ça. Il fallait que j'aie une alternance. J'aime pas avoir tout le temps les mêmes blocs. Tac là, voilà, comme ça ça me va. Je suis content. Je suis content. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre des vitres noires. Alors, oui, j'ai un problème avec mon clic. En fait, vous voyez, c'est que euh, je ne peux plus cliquer sur les blocs. Vous savez, avant on appuyait, ça venait dans l'inventaire. Maintenant, je suis obligé de les faire glisser. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes touches. Il faudra que j'aille voir ça après la vidéo. Alors oui, du coup, il va falloir que je mette bien mes vitres avant. Sinon, ça va tomber. Voilà, une petite vitre ici. On va en mettre une de l'autre côté. Mais pas au même endroit. Ici, je vois bien la salle de bain dans ce compartiment-là, vous voyez. Euh, hop, on va aménager ça ensuite ensemble. Parce que sinon, la vidéo va être très 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 courte. Même beaucoup trop courte. Et je suis en train de tout péter, c'est génial. Voilà. Et je vois bien une petite vitre de salle de bain juste ici. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, la terrasse, les amis. La terrasse, la terrasse. Je vois bien des petites dalles. Euh, il me faut quelque chose de, de bois. Il me faut du bois. Il me faut du bois. Donc on va prendre des, du bois comme ça, de sapin. Euh, je vais prendre plutôt des... Des... des, des, des comment ça s'appelle des, des, des planches. Voilà, des planches. Euh, Quoique des planches de chêne, ça a l'air d'être bien aussi. On va prendre des planches de chêne, allez, soyons fous. L'identifiant c'est 5.0. On va faire tac. Allez, un petit 4. Pouf, voilà, impeccable. Comme ça, ça fait un petit devant. Euh, ensuite, ce qu'on peut prendre, c'est des vitres parce que ça fait joli, ça fait moderne. Mais vu que les vitres dans un camping, ça va faire. Un truc 5 étoiles, on va mettre quelque chose d'un peu plus grossier. Cette barrière par exemple, ça serait le top du top. Voilà, ici on laisse la petite entrée. Ça c'est parfait. Ça nous fait des petits mobilhomes assez sympathiques. Euh, après il va juste falloir trouver comment les tourner dans tous les sens pour que ça tienne. Parce que dans les campings, euh, il y en a des fois entre 80 et même plus de 100. Donc là je pense pas qu'il y en aura 100, je vous le dis très honnêtement. S'il y en a une 10, 15, 20... Ouais, 15-20 ce serait bien euh, si je fais venir le camping par là. Et en plus il y aura l'espace-tente. Je sais pas en fait les amis si on fera un espace tente je verrai, parce que ça va faire un truc immense en fait. Donc euh, on verra, on verra tout ça. Euh, on va se mettre des petites torches. Parce que c'est bien beau de rien voir. Mais quand on est en vacances et qu'on est sur son, sa terrasse sans rien voir, c'est pas cool. On va se mettre une petite lampe ici pour la nuitée. Euh, ensuite, on va se faire un clear d'inventaire. Tac. On va se mettre des escaliers en guise de chaises. Paf et paf et on va se mettre une petite table euh, en endrod. Euh, si je le tape correctement, ce sera mieux. Voilà. Si la barre veut rester aussi, ce sera cool. On va prendre des tapis. Petite tape grise, allez hop, soyons fous, tac. Voilà, c'est juste histoire d'aménager un petit peu le devant. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire On peut se faire avec des dalles ici présentes. On peut se faire un petit transat comme ceci ici. Voilà. Très bien, c'est parfait. C'est vraiment du minimum, on est en vacances, n'oubliez pas. Donc je vais maintenant aménager l'intérieur. Alors, l'intérieur dans les mobilhomes, c'est souvent étant euh, grands euh, grand, euh, grand antécédents de ces choses-là, parce que j'y allais en vacances tout le temps, tous les ans dedans. Je sais que dedans maintenant, c'est généralement euh, du lino, des trucs comme ça, hein, enfin un sol assez simple. Euh, donc, c'est loin d'être du marbre. Donc, ça en l'occurrence, vous voyez, ça ira super bien. Tac, 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 tac. Hop. Alors, ça va être très petit l'aménagement, vous vous en doutez. Et ça, voilà, c'était sûr que ma porte se barre. Tac. Voilà, bon, c'est super. Euh, les toilettes, on va changer le sol parce que généralement, c'est pas le même. On va juste mettre ça comme ceci tac-tac, tac-tac, tac, et tac, voilà. On va se mettre une autre porte ici. On va la mettre de l'autre côté pour que ça fasse plus de place dans les toilettes. Et au sol des toilettes, on va mettre. Euh Minerai d'or. Est-ce que ça peut être bien Ouais, c'est joli. Ça fait des planches, c'est joli. Allez, soyons fous. De toute façon, on veut un truc un peu, vous voyez, industriel. On va se remettre l'escalier qu'on connaît bien avec la trappe. Je sais j'ai des modèles 3D, mais n'oubliez pas, ça fait bugger, c'est pour ça que je ne les mets pas tout simplement. On va se prendre une petite tête pour faire le PQ. Voilà, j'essaie de me dépêcher, je parle vite parce que voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien que les, quand les vidéos ça, ça dépote. Voilà, bon ça c'était sûr. Euh, voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça se verra pas dehors. C'est pour le bac à douche. On va prendre des vitres, mettre des vitres bleues. Hein. Allez, on est dans le sud, voilà, c'est la chaleur. Soyons fous. Quelque chose comme ça pour se faire le petit bac à douche. Alors oui, je sais, c'est très serré, mais c'est pas grave, ça suffira. On va prendre ensuite. Euh, il faudrait une trappe, mais je pense que ça va pas être très joli. Vu qu'elles sont pleines, c'est vrai qu'avant les, les trappes pouvaient servir un peu de grille d'égout. On va mettre une lanterne, comme ça ça servira d'éclairage, et en même temps on a l'impression que ça fait des, des grilles de douche. Voilà. Ici je peux pas mettre d'autres vitres, sinon on est coincé, on peut plus rentrer. Sauf si j'en mets une autre ici. Mais là du coup on peut plus sortir. C'est génial. Bon, c'est pas grave, c'est tout petit. On aime ça, c'est les vacances. Hein, on aime quand c'est tout serré, quand voilà. Un petit levier ici pour l'eau peut-être un peu plus haut voilà on va se prendre des bannières pour quand même les petites serviettes parce que c'est quand même important une serviette euh, je suis désolé mais c'est important voilà on a notre petite douche on a les petites toilettes et puis c'est super hop on va passer de ce côté ici il faut faire tenir un salon et une chambre c'est super c'est un gros défi on va prendre du coup les trappes en bois Tac. Et on va se faire un petit mur. Hop. On va faire ça comme ça. Mais on va pas le faire fermer parce que je vous ai dit quand on fait un mur fermé, ça coupe vraiment l'espace. Alors que là, on a l'impression d'espace aéré vu que le mur touche pas le sol. ne euh, touche pas le plafond. S'il touche le sol, je vous rassure, sinon il tomberait. Euh, ensuite, on va mettre des lits. Alors, lits normaux euh, parce que là, les gros lits que je fais, se tiendront pas. On va mettre des lits bleus pour que ce soit quand même un petit peu plus joli. Euh, les trappes on va s'en passer. Ici la table de nuit je peux pas la mettre parce que mes trappes il aurait fallu que je les mette ici donc on va les mettre ici. On va y arriver les amis, on va y arriver, vous inquiétez pas. C'est un petit peu la panique. Hop. Vous pouvez dormir que durant la nuit. Bah oui, c'est que j'ai cliqué. Et du coup, je peux mettre ça là. Et du coup, je peux mettre une table de nuit ici. Et la table de nuit, par contre, on va faire un petit effort. Euh, de design on va coller une table 3D qui est je ne sais pas où qui est ici euh, j'ai une case de libre ça tombe bien tac voilà deux petites tables de nuit on peut peut-être se mettre une petite teloche non un petit cadre euh, plutôt un tableau les cadres ça fait bugger, monsieur crafter n'est-ce pas C'est pour ça que je n'en mets pas euh, la carte graphique c'est je, je, je vous en tiens au courant parce que les. Ça fait un petit moment, que je vous l'ai pas dit. Donc on est à euh, 55-60% de la somme réunie. Donc ça veut dire qu'on est bientôt bon. Ça veut dire que je vais bientôt pouvoir l'acheter. Mais pas encore. Voilà. Bientôt mais pas encore. Donc euh, va falloir patienter encore un petit peu. Euh, je fais de mon mieux. Mais ça coûte cher. Donc voilà. Allez, une petite table ici, c'est super. Euh, on peut peut-être mettre quelques étagères ici. Voilà, c'est super. Bon les amis, je peux pas faire plus serré. On a la petite chambre ici, remarquez, c'est sympathique. Hein, on a tout. Et puis là, on va se faire le petit coin cuisine. Alors, ça va vraiment être, ça va vraiment être petit coin cuisine, hein, je, je vous le dis tout de suite. Euh, du coup, ici, ce qu'il faudrait, c'est des trappes comme ça. Le problème, c'est que si je l'élève, celle-ci, ça fait un trou. Euh, du coup, on va se faire la table ici. Je, je suis sûr que ça tient tout. On, on va y arriver. Je vais vous le prouver. Ça tient tout. Euh, ça ici, il me faudrait les fourneaux ici. Tac. On va se mettre du coup notre petit four ici avec tout simplement de la roche pour faire les petites euh, les plans de travail. On va se mettre une petite hotte. Voilà. Et ici du coup je vais peut-être pas mettre de micro-ondes, alors je vais le mettre dans le coin ici, mais du coup ça fait beaucoup je trouve. Ouais ça fait trop. On va plutôt se rajouter un petit peu de déco, style voilà, de la paperasse qui traîne ici. Euh, là on peut rajouter... Bon je sais faut pas le faire. Ouais non faut pas le faire parce que je voulais mettre des pancartes mais j'avais oublié que j'allais dupliquer tous les mobilomes. Donc à la fin on va se retrouver avec des tonnes et des tonnes de pancartes. Par contre ce qu'on peut faire, c'est prendre des boutons euh, que je vais mettre ici. Voilà pour décorer un petit peu. Euh, ça, à la limite, on peut faire une hotte Comme ça. Voilà, ça fait plus cuisine. Ici, on peut se mettre un peu de déco. Non, oui, peut-être. Peu space la déco en vacances. Hein. Voilà. Comme ceci. Et là, je pense qu'on va laisser le coin libre, les amis, parce que sinon, on ne pourra plus du tout se bouger. Donc écoutez, moi, je suis plutôt content de moi. Les toilettes. Petite salle de bain tranquillou. Ensuite, on a notre cuisine et là on a notre petite chambre pour passer des bonnes vacances. Et si on veut prendre le soleil, on a la terrasse juste ici. Voilà, les amis, donc on a notre exemple de mobil-home. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos retours éventuellement sur ce que je pourrais changer. Je vous laisse et puis ben, je vous dis à la prochaine pour euh, qu'on puisse s'occuper un petit peu de l'accueil. Peut-être que j'aurai déjà commencé de copier-coller le homes enfin, ce sera tous les mêmes, ne hein, vous inquiétez pas. Allez, ciao, ciao